Bonjour à tous, Electric Art. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un petit jeu. Je vais faire juste un genre de gameplay pour vous montrer un peu c'est quoi. J'aime quand même bien ce jeu-là. Je l'ai, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai arrêté de jouer dessus et décidé de revenir un peu dessus. Et je me fais du fun, donc je décide de vous le montrer. Donc, ça s'appelle 911 Operator. Donc, on peut l'avoir en français, c'est ça qui est vraiment le fun. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une carrière. Le but aussi, quand vous faites une carrière, là, moi, ce que j'aime bien, c'est. Attendez, là. Ville unique, histoire unique, routine. Routine journalière. C'est plus long à terminer, c'est sûr. Il marque une certaine réputation nécessaire pour débloquer les villes suivantes. Donc, moi, en ce moment, j'ai débloqué juste une ville parce que j'ai recommencé à zéro. J'ai décidé de vraiment recommencer à zéro. Donc, j'ai débloqué une ville. Là, on va s'essayer sur la nouvelle ville. Je vais vous montrer ça. Sur la nouvelle ville. Ça, c'est la première ville. C'est une ville hawaïenne. Ensuite, on débloque Albuquerque. Et ça prend 190 nécessaires pour réussir à débloquer la prochaine. Parce que celle-ci, ça prenait, pour débloquer Albuquerque, ça prenait 100. Donc, 190. Et vraiment, la population est plus grande en Albuquerque. On était à 556 000 personnes, comparé à 15 000. Ça risque d'être plus touché, Albuquerque. Ensuite, avec 190, on va débloquer Chicago. Et ça, j'ai hâte de voir à 2 719 000. Il y a beaucoup d'espace à gérer. Donc, on va s'essayer. Je risque d'avoir de la difficulté parce que. On va se mettre en normal. Moi, j'aime bien me mettre en normal. Je ne mettrai pas en facile, là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là, j'ai coupé la musique. Parce que ce serait tannant. La musique est énervante. Pour de vrai, là. Je vais attendre que le téléchargement se fasse. Ok, ici on a des genres d'aide là, que vous pouvez lire si vous voulez. En tout cas, des choses. Il parle du 911 en réalité. On fait continuer. Là, il faut décider de notre équipe. Ce qui est vraiment drôle, regardez, j'ai une moto, mais avec un équipage de deux policiers, ça fait bizarre sur une moto, là. Ouais, équipage 2. Je ne mettrais pas ça comme ça, moi, pour de vrai, là. J'ai l'impression que je pense que je vais enlever un. Parce que deux policiers sur une moto, ça fait vraiment bizarre. D'habitude, ils ont chacun leur moto, je sais pas, là. Ok. Ensuite. Moi, ce que j'aime bien, là, faire. Ok, on va aller voir si on a des véhicules de surplus. Ah oui, on a un camion de pompiers de plus. Ouais, c'est pas ce que j'aurais préféré. J'aurais préféré avoir des policiers de plus. Là, en ce moment, on est juste 2 000 $. On peut pas gaspiller l'argent. Ben, beaucoup, beaucoup. Donc, on peut aller voir le personnel. Ah, on a quand même du personnel de plus. C'est bien. C'est très bien, même. Ok, je vais. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est checker la conduite. En ce moment, j'ai lui qui est à 84% quand même. Lui, il est seulement à 67. Elle est à 59, c'est pas mieux. On va enlever ceux qui savent pas chauffer. 73. 92. Donc, on va tosser lui. Donc, lui à 92, là, j'aime bien. Avec le tir 88. Est-ce qu'on le met sur la moto? Habilité au tir 88. Ouais, je pense que oui. On va le mettre sur la moto. Oui. Ok. Habileté au tir, 78 quand même, c'est pas si pire. Conduite 79. Conduite 77. Et 94. Ok. 94, il mérite dans l'unité 2. Et puis encore, on va laisser ça comme ça. L'unité 2. Ensuite, si je regarde la conduite des policiers que j'ai sortis.
Je check des fois parce que je me demande si les policiers apparaîtront pas tous au même endroit. 84 de conduite, c'est très bien. Donc là, j'ai les deux premiers, c'est bien. 78, 77, 79. Donc on va tosser L. Je vais mettre Winterberg ici. On va lui donner une arme, par exemple. Équipement. On a 5 armes, c'est bien. 5 armes. On va lui en donner une. Ok. On a deux gilets pare-balles en plus. Je pense qu'on va donner ça à l'équipe numéro 2, les gilets pare-balles. Je vais envoyer un très bon avec lui. On va surtout prendre l'unité 2, là. Habilité au tir 52. Ouf. C'est lui qui devrait être dans l'unité 2. Attendez, on va le déplacer comme ça. On va mettre lui dans l'unité 3. On va donner comme ça. Ensuite, ok, on va aller voir le personnel. Qui qu'on va envoyer avec lui? Ça prendrait quelqu'un qui est habilité, a une bonne habilité au tir, là. Ici, c'est 76. 79 avec 86 de conduite. Lui, on va le mettre source ici. Ok, habileté au tir, 93. On va la mettre avec lui. Habileté au tir, on va le mettre avec lui. On va en mettre deux pareils sur la moto, même si je trouve ça bizarre, là. On peut dire que peut-être c'est une unité de moto, mais ça me surprendrait. Ceux qui ont meilleure habileté au tir, on va les mettre là parce que je veux. Souvent, le camion, j'envoie ça pour s'il y a des problèmes de. Il y a beaucoup de problèmes de tir, là. Donc, on va envoyer elle avec lui sur la troisième unité et lui ici. Donc, on a placé pas mal tous nos policiers. On va leur donner de l'équipement, par exemple. Ceux qui n'ont pas. Je pense que les gilets pare-balles, on va les donner aux motos. Je pense que ça va être mieux. Parce que les policiers avec des voitures peuvent au moins se cacher ou les voitures. Il nous manque une arme ici. Ok. Donc les policiers, c'est fait. Ensuite, véhicule, on avait ça. Équipement, ok. Ok. La conduite pour. Je pense que ce qu'on va faire, là. On va sortir tout. Les ambulanciers, ça va être plus facile. Conduite 72, 84 de conduite. On va mettre L, lui, je devrais dire. 84 de conduite, mais il y a quand même. Non, 53, c'est pas.77, 76, j'ai mal vu. Ok. On a 76, 77, mais faut regarder le soin aussi. Le cœur des 73, 69 de soin. Mm-hmm. 76, 77. On va mettre elle qui va conduire la première ambulance. Elle va être accompagnée de le meilleur dans les soins. Elle, dans les soins, est pas très forte. Donc, on va y mettre quelqu'un. Attendez. Stuart. Ouais, 57, c'est pas exceptionnel. On va y mettre quelqu'un de très bon dans le soin. Ça va être lui. 84. Ensuite, quel autre qui chauffe bien? 76, 73. Oh, j'ai pas vraiment des bons chauffeurs d'ambulance. 73. On va mettre lui sur la troisième.
Et ensuite, on va distribuer premier soin ici. Il va être sa deuxième ambulance. Et on a plusieurs, là. Donc on peut. Je vais mettre le 66 ici. Ensuite, on va mettre celui-là, là. On va les mettre comme ça. Donc, tant qu'à les avoir engagés, on va toutes les utiliser. S'ils sont trois par ambulance, ça va être encore plus rapide. Si jamais il y a trois blessés, ben on a besoin d'envoyer un qu'une ambulance à trois. C'est dommage que si j'ai pas quelqu'un pour aller là non plus, à moins que je n'engage un. Comment ça coûte un personnel? 2000, c'est ça. Ce que je vais faire, on va en engager un dans les conducteurs. Je vais me prendre un conducteur qui serait bon et en même temps. Premier soin, 72, 61, conduite, 89 de conduite, 68. Conduite, conduite. 89 de conduite, mais 68. On va prendre lui pareil. Donc, attendez. De conduite. On va recruter celui-là. Donc 89 de conduite. La première, j'ai 77, 76 et 73. On va le tasser là, lui. Tiens. Ça va être pas mal comme ça. Donc là, j'ai plus d'argent. Les pompiers maintenant. On va toutes les sortir, ça va être plus simple aussi. Ok, les sapeurs-pompiers, 92 de conduite, oh wow, ça commence bien, 98, on va mettre elle là-dessus, on va mettre l'autre 92 ici, compétences techniques, 92, hey, wow, compétences techniques, ici, je pense que lui est plus gradé, on va le mettre là, et on va mettre ici. Et là. Et voilà. Donc on a toutes nos équipes. On n'est pas obligé de remplir les véhicules, mais c'est peut-être c'est souvent mieux. Mais pour le début, ça va être comme ça. On va y aller. Donc là, on va commencer le service. Je vais me mettre sur pause pour vous montrer un peu comment ça s'organise. On peut se déplacer avec le premier bouton de la souris. On peut rapetisser. Moi, j'aime bien rapetisser parce que ce qui est blanc, c'est des hôpitaux. Okay. Ce qui est bleu, c'est, on le voit justement avec les. Ce qui est bleu, c'est les postes de police et les pompiers, c'est le rouge. Donc les postes de pompiers, on a un là, on a un là. Pour dire vrai, là, peut-être falloir remplir l'autre camion de pompiers avec trois hommes la prochaine fois, puis le mettre ici. Donc ça nous ferait aux trois stations de pompiers, on aurait du monde partout. On va voir ce qui va arriver. S'il n'y a pas beaucoup de feu, on va peut-être s'organiser pour avoir des policiers à la place. Parce que vraiment, là, le côté policier, on a un problème pour ça. Si je regarde vraiment. Ou c'est très grand à Albuquerque. Hein, ça. On va décoller ça. Ok, on a une première alerte. On va cliquer dessus. Moi, ce que j'aime bien, on va mettre sur pause. Quand c'est pas des appels téléphoniques, on peut mettre sur pause. Quand c'est des appels téléphoniques, on peut pas mettre sur pause. Donc, il faut se dépêcher. Une fête dans le quartier est trop bruyante. Usage possible de stupéfiants. Suspects. Ils sont quatre suspects. OK? Donc, si je regarde mes unités, là, ma voiture de patrouille ici, là, ils sont quatre. OK? Donc, je vais envoyer mon celui-là. Ici. OK? Donc, on va envoyer lui, même s'il est plus loin. Peut-être que les autres, mais en réalité, il n'est pas vraiment plus loin, je pense. Donc, on va l'envoyer. Va mettre sur pause. On a une nouvelle alerte, puis on a un appel. Donc, on va prendre l'appel 911, pour what's your commencer. emergency? There's a fire here. Where are you, sir? In front of. Donc, on va demander l'adresse. So, what's on fire? It's a garage. What kind of a garage is it? It's a parking garage.
Are there any cars near the fire? No, there isn't. Hello? Is the fire spreading anywhere? Yes. The fire department is on the way. Okay. Donc, on va envoyer ces pompiers-là. On a aussi ici, là, on va le mettre sous pause. Donc, ici, on a un autre besoin médical. Donc, coupure profonde par un outil. Donc, il perd du sang, il y a seulement un blessé. On va prendre l'ambulance la plus près. We are ready. On va l'envoyer comme ça. Quelquefois, il va falloir envoyer deux unités précises. Là, ce que j'aime pas, par exemple, c'est qu'il y a deux policiers. Waiting for orders. On va en mettre un plus bas. Understood. On va dire d'aller par là, lui. Pour séparer un peu les policiers, là, parce qu'ils sont trop, vraiment, vraiment trop loin un de l'autre. Là. Je pense même qu'on va l'envoyer au poste de police, celui-là. Donc là, la fête bruyante, là, si on clique dessus, on voit que les quatre suspects, ils sont en train de se faire par chaque policier. Là, sont... Donc on a une nouvelle alerte, ils demandent des policiers et on a justement des policiers pas loin, on va les envoyer. Le feu est en... Lui, il est pas blessé, donc pour nous envoyer une ambulance. En ce moment, ça va assez bien. Ready for the next case. What are the orders? Lui, il a terminé la coupure. Ils ont dû soigner la personne. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, des fois, ils prennent les personnes et ils les amènent à l'hôpital. Mais là, en ce moment, il n'y a pas eu besoin. Il y a un temps aussi. Hein, si on regarde ce temps-là, si je regarde, c'est 18 secondes, 2 secondes, 9 secondes et 25 secondes. Tout dépendait du policier qu'on a pour arrêter les personnes. Ça peut être plus long ou moins long. Tout dépendait. Donc, OK. On a un autre appel. 911, what's your emergency? Oh my God! Oh my God! Sir, what's happening there? What's the address you're calling from? What happened to your daughter, sir? Why did you do that? My little girl. Oh God, I just found her. She's dead. Okay, sir, we're gonna get ambulance on the way. Have you checked her pulse? Is her body completely cold? My baby. I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Comme là, en ce moment, on a une autre alerte, accident de circulation, il faut envoyer un pompier et on a besoin d'un véhicule médical pour un blessé, donc envoyer une ambulance. En ce moment, les pompiers ici sont encore en train d'essayer d'éteindre le feu. c'est long. Un suspect armé. Ce que je vais essayer de faire, c'est de diriger un autre véhicule pour aller les aider parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes.
Et en plus, beaucoup de monde arrive les premiers, donc il y a un suspect. Peut-être qu'ils auront pas besoin d'aide. 911, what's your emergency? Un autre appel. Hello? There's an unconscious man here on the pavement. Where are you calling from? Around. Is he breathing? Wait a second. Oh, God, he's not breathing. Do you know how to perform CPR? What? No, not really. Okay, put your phone on speaker mode and follow my instructions. Place your hands in the center of the man's chest and start compressions, 30 times, faster than one compression per second. Okay, one, two, three. Now tilt his head back, pinch his nose, holding his chin up with your other hand, cover his mouth with yours, and blow. Then repeat it one more time and go back to the chest compressions. Okay. Great. Continue until the ambulance arrives. Okay, hurry. Case result. Injured on board. Ok, ils l'ont eu, donc on a eu le gars qui était armé. Ready for the next. I'm listening. Reporting right away. Intervention. Waiting for orders. Understood. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I don't really know how to say it, but... Yes? I think my husband's a cook. I'm sorry, what do you mean, ma'am? I mean, I think he makes drugs. Ah, all right. Why do you think so? Well, I found weird containers filled with some stuff in our cellar, and they stink pretty bad. I have no idea what it is. My husband's a chemist, but why would he need that? That's not enough evidence, ma'am. But he's in touch with some kid. I guess his former student. I think the police used to keep an eye on him. I'm not sure, but it might have been connected to drugs. Why do you call 911 on your husband? We don't get along well, and I feel like my home is being observed lately. Some shady guy started to wander around in our neighborhood. I'm scared. I need to protect my son. I understand, ma'am. I'll send an officer by to check it out. Where are you calling from? Okay, the patrol's on the way. Okay, thank you. Affirmative. What are the orders? Heading over there. We are affirmative. They left our duties. Affirmative. Waiting for instructions. I copy. Go in there. Waiting for orders. We're done here. Waiting for orders. Heading over there. 911, what's your emergency? Hello? There's been a car crash. Where did the collision happen? Around. Are there any injuries? Yeah, two people with some injuries. When did it happen? 5 minutes ago. Do you know who caused the accident? It was my fault. Are any of the vehicles blocking traffic? No, they're not. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. On my way to hospital. Standing by. Waiting for instructions. On my way. Waiting for orders. Suspects in custody. We are ready. I copy. Going there. I'm listening right away. 911, what's your emergency? Ready for the next case. Standing by, waiting for orders. Right away. Understood.
Ok, ça va un peu trop vite là. J'ai mis sur play normal, là, la vitesse normale. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de se rendre. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand c'est trop éloigné, on n'a pas assez de véhicules. Il a fallu avoir un policier ici, là, à la station là, pour ça a aidé. Il y a des choses qui vont. On n'aura pas le temps de se rendre. Mais il faut essayer de résoudre le plus possible de choses. Donc, on a quelque chose ici, là. Ok. We are ready. 10-4. Oh, il y a un policier ici. Parce qu'on a eu un appel bizarre. On va Reporting. envoyer une I'm listening. voiture. Ok, lui, on l'a envoyé là. On va passer. Understood. Ah non, 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 non. Right Lui, away. ici. Reporting. Right away. Nine one one, what's your emergency? Hello? There was a robbery. Where did this happen? Around Hello? Are you there? How long ago did this happen? A moment ago. Do you have any injuries? No, I think we're fine. Are your attackers still in the area? They ran away down the road. Do you know what direction they went? I think east. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Ready for the next case. Waiting for orders. Understood. Reporting. 10-4. Reporting. Heading over there. Une personne blessée, crise d'épilepsie. We're done here. L'étiquette terminée. On va le laisser dans le coin. I'm listening. Understood. Standing by. Shots fired. Requesting backup. Reporting. Understood. Il demande de l'aide. On a un blessé, donc on va envoyer une ambulance. What are the orders? Affirmative. Mais là, on est très loin. Ready for the next case. On va peut-être envoyer même deux ambulances. 10-4. On a deux policiers blessés et un suspect blessé. Donc on a besoin de deux ambulances parce qu'une ambulance peut transporter deux personnes. Intervention de police est nécessaire. Trois. En ce moment, ça va pas trop bien côté police. What are the orders? I copy. Going there. On va envoyer celui-là. Il va avoir besoin d'être pareil. Là. On my way to hospital. Standing by. What are the orders? Reporting. 10-4. Oh, il y a besoin. Ok, je me demandais pourquoi. Oh. Reporting. I je me demandais pourquoi la moto était bloquée là. Il y a besoin d'un transport pour aller chercher. Ok. C'est pour ça, là, ça niaise hein, en haut. C'est vrai, c'était une moto. On ne peut pas transporter de criminels avec une moto. Je pense qu'on va la vendre, la moto. J'aime mieux les voitures. Vous voyez comment ça causait le problème là, en ce moment. Case resolved. On va envoyer. I'm listening. Le moteur ici. Understood. Reporting. Waiting for order right away. Waiting for order heading over there. Waiting for orders. Right away. Heading over there.
Même là, understood. Un peu. Standing by. Ok, donc, première mission résolue. Il y a beaucoup de choses. Excès de vitesse, on l'a perdu, on n'a pas réussi à récupérer, donc il nous enlève 3 points. Il y a des choses comme fête bruyante, 0 points. Peut-être qu'on n'a pas tout fait ce qu'il fallait. On a eu des plus 5. Moins 1, appel vide. Ça veut dire que c'est un appel qui avait été callé et qu'on n'a pas réussi à se rendre. À part ça, ça a bien été. Je trouve que la game était très bien. On a eu des pompiers de blessés. Ok, beaucoup. 3 pompiers de blessés. Il va peut-être falloir engager des nouveaux pompiers. Nombre de cas résolus, 20. Quand même, c'est bien. En prison, 6. Des amendes, 12. Efficacité 78%. Moi, je trouve que c'est bon, 78% d'efficacité, du point de vue que c'est quand même plus large. Là. On n'a pas encore beaucoup de véhicules. On va faire une deuxième partie. On va checker si on a du personnel. Là, on a du personnel blessé, on ne peut pas les prendre. Il va falloir s'engager du personnel. Là, on a 40 000. Comment ça coûte une voiture? Je vais voir si, pour une voiture de police, ça va me coûter 50 000. Aïe, aïe. Ok, on va attendre pour la voiture de police. Côté policier, on n'a pas de blessés. Pourtant, il me semble qu'il y en a qui avaient eu des problèmes. Donc, on va engager du personnel de pompier. Ça va aider. On a un policier aussi ici qui est vraiment intéressant, 80-85. Sauf qu'il n'y a plus de place dans les véhicules. Est-ce que ça me donne de l'engager? On va peut-être attendre. Ou on va l'engager parce qu'il est trop bon. Donc, je vais l'engager. Ensuite, si on regarde, ça me prend des sapeurs-pompiers. Compétences techniques, 87. Ça me prend un qui s'est chauffé, là. 66. 81 de conduite. Ça, c'est vraiment intéressant. 81 de conduite, on va le recruter. 99 les compétences, on va le recruter, et on va recruter les pompiers, on en recrutait beaucoup, là. J'ai comme un camion de pompiers qui est libre, donc on va tous les engager. Les policiers, on a Watson qui est à 87% d'habileté au tir, ça peut servir, donc on va le recruter. Les autres, on va attendre. Donc, les premiers soins. Je pense que les premiers soins n'étaient pas fort, hein? Je pense qu'on va garder les ambulanciers qu'on a comme ça. Bon, les pompiers. On va mettre... Là, on avait quelqu'un qui chauffe à 98%. C'est très bien. 87. On a 92 ici, là. Conduite 4... Ah, il est blessé. C'est vrai. 92 est blessé. Et 81 ici. Mais on a un ici qui est plus. Il est meilleur. 87. Donc on va mettre lui pour conduire ce camion-là. On va essayer de disperser. On va voir ce que ça donne. 99%. Donc on va envoyer lui ici. Avec lui qui est moins bon un peu. OK. Ensuite, on va envoyer 92. Ah non, il est blessé. Voyons. Il est blessé. 87, 54. Donc, on en a deux à 87. On va envoyer lui avec lui. Ah, c'est vrai, je peux mettre un autre camion, là. Véhicule. On va le mettre... Alors, je ne suis pas capable, peut-être parce que on est trop. On ne l'utilisera pas là-bas. Ok, on va le laisser là. De toute façon, avec le nombre de pompiers que j'ai. On ne peut pas l'utiliser. Nouvelle équipe. Ah, ok. Comme ça. Personnel.
Donc ça nous prend un autre qui est bon comme conducteur. 76. On a 81 ici. Donc on va mettre lui. Ensuite, on va mettre Perez avec lui. On n'a plus de pompiers. On ne peut pas engager de pompiers. Donc, on va rester ça comme ça. Une équipe de 3, une équipe de 2, une équipe de 2. Ça va peut-être aider pour... ça va aller peut-être plus vite aussi. Là. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va commencer le déploiement. On va voir ce que ça donne, mais... j'aurais aimé acheter un véhicule, mais je peux pas. J'ai pas assez d'argent. Ça va aller peut-être à la troisième partie. Si on fait un 50 000... j'aurais assez. Donc, on va commencer le service. Moi, je vais checker mes policiers où est-ce qu'ils sont. What are the orders? What are the orders? J'ai lui. Ok, j'ai la moto. Je vais What are the orders? Moto. Je vais l'envoyer ici. I copy. Going there. Les pompiers, on va les laisser comme ça. Ok, on a un problème. Coupure profonde par un outil. Blessé, on en a un. What are the orders? On va envoyer notre meilleur, nos meilleurs. Là. I'm listening. Understood. On va envoyer notre meilleur. Ensuite, on va prendre une voiture de police. On va l'envoyer ici. À moins qu'on laisse deux policiers ici. On va essayer de policier là, voir ce que ça donne. Je pense qu'on va être trop paré de ce côté-là, mais quand même. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Where's the car parked? In the shopping mall parking. Can you give me the address of where this car is parked, sir? I'll have an officer check it out, and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. 10-4. Reporting. Understood. On va séparer ces deux policiers là. On va envoyer deux pour être certain de le pogner. We're done here. Standing by. Reporting. I copy. Going there. Circulation bloquée. Il demande d'envoyer un pompier. We are ready. 911, what's your emergency? Non, pas encore ça. C'est des enfants qui appellent. Il faut qu'on envoie un policier là. C'est ça que ça dit. Dès que ça va apparaître. Ok, on l'a. Incendie, piégé à l'intérieur. Donc, on va envoyer. Reporting. Une ambulance. I copy. Going there. Reporting. Affirmative. Ready for the next case. What are the orders? Affirmative. Right away.
What are the orders? I copy. Go in there. Got injured. Going to the hospital. Ok, 5 suspects. We are ready. Affirmative. 3 suspects, donc envoyer une la police avec 4 policiers. Je vais peut-être envoyer même 2 voitures. On va envoyer. We are ready. I copy. Going there. Parce qu'il y a un blessé. Standing by. 911, what's your emergency? There was an incident in my factory. One of my employees got stabbed by a sharp tool. What's the address you're calling from? What exactly happened to your employee? He fell off a ladder and stabbed himself with a knife while falling. I understood. I'll send an ambulance there. Okay. What are the orders? On my way. I'm listening. Right away. Standing by. Injured on board. What are the orders? I copy. Going there. 4 suspects. Oh, Colin. Okay. I'm listening. Heading over there. Une autre voiture. Reporting. Affirmative. Nine-one-one, what's your emergency? Hello, I've seen a fire. Can you do something with it? What's the address you're calling from, ma'am? In front of... What's burning, ma'am? Just garbage. Is the garbage in some sort of container or dumpster? No, it's a pile of rubbish lying on the ground. So, how big is this fire? Big enough to be worried about. Send help. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. Case solved. Ready for the next case. Reporting. On my way. Reporting. 10-4. On a envoyé notre 4 flics là. Waiting for order. Right away. Ready. 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach pain? About an hour ago. It started suddenly. Alright, does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Sir... Have you drank alcohol lately? What? No, it's not a hangover. Have you eaten anything unusual lately, sir? No, just what I always eat. You should go see your doctor as soon as possible. 911 is for emergencies. I hope you understand that, so I can't send an ambulance in this kind of case. Seriously? I knew I could go to the doctor before I called you. Thanks for nothing. Reporting. Affirmative. We are ready. I copy. Going there. Waiting for orders. Waiting for instructions. On my way. What are the orders? I copy. Going. What are the orders? On my way. Standing by. Qu'est-ce qu'il demande?
On va ignorer l'appel. C'est lui avec son estomac. Je suis pas certain qu'en 1 heure. J'ai déjà eu mal à l'estomac, puis ça m'a pris plus de temps que ça avant d'appeler une ambulance. J'ai même eu des journées où j'avais mal, puis j'ai laissé faire, puis ça a passé. Waiting for orders. Attendez voir. Heading over there. Ah, en ce moment, je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Peut-être armé des policiers. Ok, on peut pas envoyer ici. Combien de temps? 14 secondes, 25, 20 secondes, 35. Oh, ça va être long. On va envoyer les policiers. I copy, going there. We are ready. I copy, going there. Waiting for orders, right away. Oh, on a manqué l'appel. J'ai manqué un appel. Standing by. Standing by. Encore, c'est un problème de. Oh là, il va falloir attendre que les policiers aient l'amené. On peut envoyer dans cette ambulance-là. Understood. Ils n'ont pas de. Understood. Reporting. We are ready. I copy. Going there. Suspects in custody. Requesting transport. Deux véhicules de police. Case solved. 911, what's your emergency? Help! My kitchen is on fire! Where are you calling from? Okay, get yourself and anyone else that's in the house out of the house now. The fire department will be there soon. Okay. Reporting. I copy. Going there. Transport. Case solved. I'm listening. Ready for the next case. Reporting. Heading over there. Reporting. I copy. Going there. What are the orders? Affirmative. Reporting. Heading over there. Waiting for instruction. Ready for the next case. Okay, on a fini. Pas de réaction, c'est qu'on avait perdu un appel, c'était un combat de rue. Maux d'estomac ignoré, moins 6. Ça veut peut-être dire qu'il aurait fallu que j'envoie une ambulance, à fin de compte. Appel vide, oui, un appel que quelqu'un a appelé. C'est le pas de réaction qu'on a ignoré. Ça nous a enlevé beaucoup, beaucoup de points. On a eu un blessé encore, mais encore un pompier de blessé. Donc, on va revenir. OK. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. On peut checker, voir pareil, les équipages, si vous voulez. On va checker ça.
On a 49 000, on n'a même pas encore assez pour une voiture, mais là, cette fois-ci, on va peut-être voir si on peut engager des pompiers. On va en recruter deux autres. Les pompiers blessés, on peut les récupérer, là. Donc, on va se faire plusieurs bonnes équipes, là. Regardez, 87 de conduite. Je pense que j'en ai un mieux que ça. 92 de conduite, donc 81, 87, ok, donc, on fait conduire lui ici, je veux juste voir. Ok, ça n'a pas d'importance. Je pense qu'on va comme ça. Et voilà. Côté policier. Là, par exemple, l'habileté au tir, on va. J'ai vraiment lui qui est meilleur. Là. On va mettre lui avec le 88, 92 de conduite. On va laisser ça comme ça. Oh, lui, il faut aller 97 aux habiletés au tir. Donc, je vais pouvoir recommencer ma game. Mais comme vous pouvez voir, c'est un beau petit jeu le fun, intéressant. On peut faire des nouvelles équipes et tout. On peut acheter du matériel, engager plus de pompiers, plus de véhicules, de personnel. Comme lui va être soigné, là, je vais pouvoir le mettre là. Donc, tant que vous aurez, je ne vais pas avoir débloqué. Mais ce que je pourrais aussi, c'est débloquer une ville et continuer à jouer sur la même ville où j'étais. Donc, ça ne change rien, là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo sur 9-1-1. Donc, je vais vous dire à plus.